D'ailleurs, je dis qu'elles ont la classe, les femmes, et souvent, vous avez un petit côté hypocrite, puisque dès que le mec il se lève pour aller dans la salle de bain, tout de suite, groupe WhatsApp avec toutes les copines, les filles. Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Le gars est tout mou. Avec la meilleure Nicolas qui dit, je le savais, ça fait ta gueule. Il a le nez qui tombe, ça veut plus dire. C'est typique des Capricornes, ça. Et nous, les hommes, on vit un truc, mes amis, et c'est quand même un moment unique au monde. C'est un moment où tu es tout seul dans la salle de bain et tu te mets à parler avec un membre de ton corps. Tu es là, mais qu'est-ce que tu me fais, Jordan? Qu'est-ce que tu... Je t'ai mesuré chaque année, je t'ai élevé comme mon fils. Ça a marché avec tout le monde, ça a marché avec Stéphanie, avec Alice, avec Camille Combal, ça a marché nickel. Et là où c'est injuste, les amis, là où la nature humaine est injuste, c'est que pour les hommes, tu dis à toi, tu as raison, tu as toute ta masculinité, toute ta virilité en cause. Et le lendemain, t'es dans la cuisine. Tout le frigo rempli. Il y a un petit vent froid qui arrive, et là, mon pote, t'as un truc qui te monte. Tu dis, mais non! Pas maintenant! Tu sais, tu regardes le frigo, tu dis, tu veux le frigo? Qu'est-ce qui lui arrive, ce petit frigo? Merci beaucoup.